recorded, drop, you can't ignore it. I'm transforming now, these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne, Perrier, finish friends on my face. Looking like I'm from the D, D's no Cartier's. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Je m'appelle Jérôme Fleurimont. J'ai 42 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis fils de basketteur, frère de basketteur, père de basketteur, oncle de basketteur et basketteur aussi. Donc, licencié depuis 37 ou 38 ans, je dirais, au club de Charny depuis une vingtaine d'années, bientôt 20 ans. C'était pour les joueurs de Berlin et de Charny. Voilà, il y avait 3 ou 4 joueurs, c'était pour pouvoir les faire évoluer en championnat. Et nous est venue l'idée il y a quelques années, avec la génération là 2009, de pouvoir les faire jouer, les faire évoluer en région. Donc avec les meilleurs éléments de Charny et de Berlin, de pouvoir voilà, rivaliser avec les clubs en championnat régional. Onze joueurs à l'entraînement et je prends entre 8 et 10 joueurs à chaque match. C'est une parité, c'est pas voulu, mais ça s'est fait comme ça, une parité entre les deux clubs. C'est 5 de Charny, 6 de Berlin, et sur le week-end, donc c'est 6 de Berlin et 4 de Charny. Fonder un groupe, parce que c'est des joueurs qui ne se connaissent pas, qui étaient adversaires il y a encore 1 ou 2 ans. Avec le Covid, ils ne se sont pas vus et n'ont pas joué ensemble contre l'autre en U11. Donc là, on découvre les U13 avec changement de ballon, changement de panier. Donc voilà, déjà, essayer de forger, de fonder un groupe pour essayer de travailler sur plusieurs années. Myron Krajeki, 22 ans. Donc je fais du basket depuis que j'ai 4 ans. J'ai été formé à Souy avec monsieur Claude Fleurimont, du coup partisan du basketball meusien. Il me semble que ça fait 2-3 ans qu'ils jouent ensemble. C'est quand même des gamins qui jouent aussi à la classe basket à Thierville assez régulièrement, coaché par Vanessa. Donc c'est quand même des gamins qui jouent vraiment, vraiment régulièrement tous ensemble. On les voit aussi beaucoup au Parc de Londres, enfin vraiment qui vraiment être tous ensemble. Si je pouvais trouver un petit défaut à cette équipe, c'est que je manque de footer par rapport à ce qu'on nous propose dans ce championnat. C'est vraiment
vraiment la clé du succès. Je pense qu'on a eu du mal au début avec la CTC, voilà, on connaît bien la concurrence de Charny-Verdun, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le niveau, et surtout en senior, où on galère un peu tous, notre première est en pré-région, on est premier, on espère monter, mais on n'est que en pré-région. Charny, ils sont en R2, on voit les résultats, ils travaillent, mais c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, on voit que la CTC, les trois CTC fonctionnent, donc on ne va pas se cacher que c'est la clé du succès, et par la suite, il va falloir voir plus loin que trois petites CTC si on veut faire monter le basket meusien. Alors actuellement, on est quatrième, donc on est bon pour la phase haute. Pour le moment, si on ne fait pas de bêtises sur les prochains matchs qui sont normalement prenables. Donc moi, c'était clairement la montée en phase haute. Et après, on va essayer de s'éclater un peu en phase haute parce que ça va être quand même très très difficile. On voit les scores des autres poules, bon, ça claque quand même. Donc je pense que ça va pas être facile, mais les gamins, l'objectif premier, c'était de monter. Pour le moment, on est dedans. J'espère que ça va continuer. Donc l'objectif premier est rempli. Mon deuxième objectif, c'était quand même de créer un bon petit groupe. Alors Nico, alors, il est trésorier comptable au BCV. Et il a son fils Jules qui joue avec moi. Donc c'est vrai qu'il était toujours amené à soit amener et suivre son gamin, quoi. Et à un moment, je lui ai dit... est-ce que tu veux venir avec moi sur le banc? Ça peut toujours être bien d'avoir deux avis. De plus, il a pris le côté animation, parce que c'est vrai que bon, je bosse quand même beaucoup avec mon taf. Plus le basket, j'ai pas le temps de tout faire. Et je voulais quand même ce côté animation qui fonctionne énormément. Et Nico est super bon là-dedans. Du coup, je suis Vanessa. Ça fait 22 ans que je fais du basket et je coach de l'école de basket au U17 région. Okay. Cette année, j'ai U13 région, juste à l'entraînement parce que j'ai vraiment fait les matchs, les U15 région, mais juste à l'entraînement parce que Myron fait les matchs et les U17 région. Cette région, c'est une équipe que j'ai depuis quasiment 3 ans. Je ne les avais pas l'année dernière, mais je les ai quand même récupérés au milieu d'année. Un bon groupe pour un... On reste des petits clubs. Voilà, vraiment un bon groupe, je trouve. Bon, moi, je suis une. Du coup, vu que je suis depuis le début avec Vincent à l'époque, moi je suis pour les CTC. Je trouve que c'est un truc qui est vraiment bien, surtout pour les jeunes, parce que nous en soi, les coachs. Enfin, c'est pas que ça change grand chose, mais les jeunes, ça leur permet vraiment de jouer à un niveau région. Et pas comme on faisait avant, jouer en niveau région, chacun de son côté et se prendre des tôles. Là, on prend, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est un grand mot quand je dis ça, les meilleurs joueurs, et ce qui permet aux moins bons aussi, entre guillemets, d'avoir leur championnat en départemental et aux régions d'essayer d'aller jouer au plus haut niveau quoi, et d'essayer de faire des résultats. Les points forts de mon équipe, je trouve quand même qu'ils sont assez grands. On a quand même des joueurs avec vachement de taille, on a des joueurs qui ont envie et on a aussi des joueurs qui sont, comment dire, qui ont des petits soucis d'orgueil personnel. Pour moi, le truc le plus compliqué cette année, c'est le collectif. On a du mal à... Les peu de matchs où on a été très collectif, ils sont très bons. Mais le souci, c'est que c'est la quantité de collectif qui est très faible. C'est-à-dire qu'on va... On a des... Enfin, je trouve que tous les joueurs individuellement ont tous quelque chose d'hyper important. Sauf que le plus compliqué cette année, c'est que ça matche ensemble. En plus, U17, ils changent physiquement, mentalement. Pas toujours évident, mais quand ils jouent ensemble, quand on arrive à avoir ce collectif, c'est vraiment le top. Cash money like 504, ball like 82. No sleep anymore.